Tu vas regarder s'ils ont des poils, ou s'ils ont des plumes, ou s'ils ont des écailles, ou s'ils n'ont ni poils, ni plumes, ni écailles. Par exemple, le chat, il a des poils. La poule, elle a des plumes. La méduse, elle n'a ni poils, ni plumes, ni écailles. On peut aussi classer les animaux en fonction de leur mode de déplacement. Est-ce qu'ils marchent sur des pattes? Est-ce qu'ils volent avec des ailes? Est-ce qu'ils nagent grâce à des nageoires ou autres? Est-ce qu'ils rampent sur le sol?